On m'a dit que t'as géré comme un vrai Achirien avec ma NSX. Ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais? Ok, je suis chaud. Ok, petite tête, le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois, et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend, c'est une légende la R34. C'est un kaiju! La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser. Ouais, Rennes a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Rennes, quitte la planète. Fais un peu de résistance. J'aime bien ça. Ce parcours est parfait pour te donner un aperçu de l'esprit Wangan. Un mythe absolu parmi les pilotes japonais. Imagine-toi rouler sur la Wangan Sen à Tokyo, avec une seule chose en tête, rouler à fond. Ils sont tous aussi bons, les pilotes du MotoFest? Dans une course Wangan, tout est question de vitesse, l'ami. Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème. Les dragons. Vas-y, fais un vœu. Faites gaffe au prochain virage. Ça me rappelle la fois où Shingo s'est planté dans un virage la nuit, soi-disant parce qu'il était ébloui par la lune. Oh, c'est bon, là! Quel bon souvenir. Savoir que tu as contribué à asseoir la supériorité de la Skyline. Moderne du drift a été perfectionnée par des passionnés japonais qui s'exerçaient dans les montagnes pour la sécurité des piétons en ville. En plus des conditions routières défavorables, ces cols de montagne sont parsemés de virages en épingle et d'autres difficultés. Le drift est le meilleur moyen de les négocier sans perte de vitesse. Au Japon, on appelle ces cols togé. C'est même devenu le nom d'un style de course à part entière.
route de montagnes sinueuses d'Hawaï étant très similaire à celle du Japon, on a pensé que ce serait l'endroit idéal pour t'initier. Dernière chose, une course de togé, c'est généralement deux pilotes. Tu l'auras compris, prépare-toi à un duel.